Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Le programme est dense, le programme est riche aujourd'hui sur FFF TV. On commence cette journée avec les moins de 17 ans et le premier match du Tour Elite qualificatif à l'Euro 2023. Ça se passe à l'Arena Combetar de Tirana face au pays hôte, l'Albanie. Et c'est une première confrontation entre ces deux sélections jeunes. Poursuivre la belle série, c'est évidemment l'objectif des joueurs de Jean-Luc Vanucci, toujours invaincu dans cette saison 2022-2023. Les Bleuets qui vont devoir finir leader de ce groupe 8 ou parmi les 7 meilleurs deuxièmes pour se qualifier et disputer l'Euro 2023 qui se jouera du 17 mai au 2 juin en Hongrie. Je le disais, cette équipe de France qui réussit une superbe saison 2022-2023, elle a également réussi à passer le cap du tour de qualification au mois d'octobre avec 3 matchs et 3 victoires, toutes acquises sur le même score de 4 buts à 0 contre le Luxembourg, la Macédoine du Nord et l'Islande. Jean-Luc Vanucci qui peut disposer d'un groupe qu'il décrit lui-même à la fois respectueux et qui travaille énormément. Les bons résultats, tous ces résultats obtenus ne sont pour lui pas le fruit du hasard, pas vraiment une surprise. Et puis il l'a également confié à notre micro, le Tour Elite. C'est quelque chose qui ne va pas être simple, il s'attend à des rencontres compliquées, notamment face à cette équipe albanaise qui est vraiment une équipe inédite pour cette équipe de France, puisque je vous le disais, elle ne l'a jamais affrontée. Il y aura 3 équipes et autant de systèmes différents pour cette équipe de France. Et cela, ça va évidemment changer l'approche tactique de Jean-Luc Vanucci, le sélectionneur des Bleuets qui, pour ce Tour Elite, a fait appel à 20 joueurs. On aura l'occasion, bien sûr, de découvrir la composition de cette rencontre, de cette première formation concoctée par le sélectionneur français pour affronter l'Albanie. Il a appelé pour ce Tour Elite Noah Sanghi, le joueur du Stade de Reims qui effectue son retour dans cette équipe des moins de 17 ans. Il n'était pas du dernier rassemblement pour les rencontres disputées face à l'Italie, tout comme Mathis Lambourde, le joueur du Stade Rennais, et puis le gardien également du Toulouse FC, Mathis Niflor, a noté également l'absence du Lorienté Eli Junior Croupi, qui est blessé et ne fait donc pas partie de la liste pour ce Tour Elite. Alors évidemment, cette équipe de France, vous le savez, par favorite par rapport à cette équipe d'Albanie qui a pour le moment peu eu l'occasion de faire des rencontres et de disputer des phases finales de tournois internationaux comme l'Euro par exemple. Mais c'est une équipe qui se développe à l'image de l'équipe première albanaise qui, vous en souvenez certainement, avait pu notamment disputer l'Euro 2016 en France, puisqu'elle avait disputé cette compétition également dans le groupe de la France, en étant dans le groupe des hommes de Didier Deschamps. Les conditions sont optimales, comme on peut le voir ici sur ces images. Le soleil est de la partie, il fait 15 degrés, la pelouse est en excellent état. Vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse assister à une belle rencontre. Je le disais, l'équipe de France qui, pour le moment, réussit une saison parfaite. Elle a disputé 9 rencontres pour le moment et n'a enregistré qu'un seul match nul. C'était lors de la première rencontre disputée à Rabat. C'était au mois de juillet. Une rencontre qui s'était soldée sur le score d'un but partout. À l'époque, les joueurs de Jean-Luc Vanucci avaient concédé l'égalisation dans les toutes dernières minutes. Et cette équipe, elle progresse. Je vous le disais, derrière cette équipe, elle a réussi à corriger ses faiblesses
et à ne plus prendre de but comme ça, un petit peu bêtement en fin de match, alors qu'elle avait le match en main. Elle a réussi à inscrire pas moins de 27 buts en 9 rencontres et n'a encaissé que 5 petits buts, alors que vous apercevez ces joueurs qui sortent du tunnel et également le trio arbitral. Une rencontre qui sera arbitrée par l'Écossais David Dickinson. On va laisser passer les hymnes nationaux et on se retrouve tout de suite après. Voilà pour les hymnes nationaux, l'équipe de France qui s'apprête donc à rentrer dans ce tour élite face à l'Albanie. Elle va disputer encore deux matchs également derrière. Il y aura une deuxième rencontre à suivre sur FFF TV ce samedi également à 11h30. Ce sera face à la Lettonie et puis également mardi cette fois face à la Suisse. Coup d'envoi à 17h, notez bien tout cela dans vos agendas. On aura dans quelques instants l'occasion de découvrir les compositions d'équipe avec actuellement le TOS et le brassard de capitaine porté par le Valenciennois Joachim Kaissanda, qui a répondu à nos questions que nous avons eu l'occasion, la chance de rencontrer à l'occasion d'un reportage que vous aurez l'occasion de voir à la mi-temps. L'équipe de France, je vous le disais, donc, qui a réussi une superbe saison pour le moment, une superbe saison 2022-2023 et qui va tout faire pour succéder à l'équipe de France U17, championne d'Europe en titre. La voici, cette composition d'équipe concoctée par Jean-Luc Vanucci. Composition en 4-3-3 avec, je vous le disais, notamment Joachim Kaissanda qui porte le brassard de capitaine et forme la charnière centrale aux côtés du Nantais Bastien Mepiou-Menadjou. Et devant, on retrouvera notamment un trio composé de Issoufou Bouchena et Zag, le joueur du Paris Saint-Germain. 4-3-3 du côté tricolore, 4-3-3 également du côté albanais, avec là des joueurs que vous allez découvrir. Cette équipe albanaise qui a réussi également
un tour de qualification plutôt convaincant avec une victoire, un nul, une défaite et surtout un succès 3 buts à 1 face à la Suède avec notamment un doublé de Vranici qui est sur la pelouse ce matin pour cette rencontre face à la France. Le coup d'envoi donné par Mohamed Amine Bouchena alors que l'on découvre actuellement la composition de cette équipe albanaise. Le coup d'envoi qui a été donné et le ballon dans les pieds de la charnière centrale française avec Mepiu Menadjou. Sangui qui revient derrière lui avec son capitaine Titi, le joueur de l'Estac qui va essayer de trouver un partenaire avec ce ballon le long de la ligne de touche. Et là c'est Ismaël Bouneb qui est au duel et qui parvient à se défaire de son vis-à-vis. C'est bien joué. Il va pouvoir peut-être continuer et poursuivre cette action. Mais le ballon est renvoyé par la défense albanaise. Allez, ça repart de l'autre côté pour ces Albanais avec Vranici, dont je vous parlais à l'instant. Auteur d'un doublé face à la Suède. Et ballon rapidement récupéré par les joueurs de Jean-Luc Vanucci. Noah Sangui qui remonte ce ballon et qui joue devant lui. Là, les Français qui mettent le pied sur le ballon dans ses premiers instants. Allez, on va chercher un partenaire loin devant. Ce ballon qui est un petit peu trop long, malheureusement pour les Bleus et pour Mohamed Amine Bouchena. Ça va offrir un 6 mètres aux Albanais. L'équipe de France qui, je vous le disais également en préambule, ne peut malheureusement pas compter sur l'un de ses buteurs phares, en l'occurrence le Lorienté Elie Junior Croupi, blessé. Mais Jean-Luc Vanucci peut compter sur une équipe très homogène à l'image des 7 buteurs différents lors du tour de qualification. Mathis Lambourde est également l'un de ses joueurs très efficaces. Il avait inscrit 4 buts lors des 3 rencontres du tour de qualification en octobre dernier. Il démarre pour le moment cette partie sur le banc. On aura certainement l'occasion de le voir à l'œuvre au cours de cette partie. Et pour le moment, c'est une remise en jeu albanaise, rapidement effectuée. Et là, il va y avoir une première intervention de David Dickinson et un premier coup franc pour les Bleus. Une rencontre arbitrée par cet Écossais David Dickinson, assisté de Ross McLeod et du Finlandais Olli Jantunen. Et coup franc joué par Bastien Mepiu Menadjou, l'un des grands espoirs du FC Nantes. Et ce centre côté droit, c'est bien fait, ça arrive dans la surface de réparation, mais le contrôle a été manqué, dommage, par Bouchena. Le ballon qui lui a échappé et qui part directement en 6 mètres. Première frayeur pour le gardien Dervichy. Et il s'en tire à bon compte pour le moment. Alors que vous le voyez, les joueurs français sont très hauts sur cette pelouse et oblige les Albanais à relancer comme ils le peuvent ce ballon qui arrive directement en touche, touche rapidement effectuée par les Bleuets et par Sangui qui a trouvé un coéquipier. On reste sur le côté gauche, le front gauche de l'attaque française. Tout ça sous les yeux de Jean-Luc Vanucci. Jean-Luc Vanucci qui a fort à faire puisque vous le savez, il y a même pas un an, l'équipe de José Alcocer s'était imposée lors de l'Euro avec une victoire en finale face aux Pays-Bas grâce à un doublé du Lyonnais Koumbédi. Et les Bleuets, ils ont le potentiel pour aller loin dans cette compétition. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et pour cela, il faudra bien sûr déjà passer cette étape du tour élite et donc essayer d'aller chercher autant que possible
la première place du groupe. Allez, un long ballon. Bouchena qui va se battre pour essayer de garder la possession de balle, c'est chose faite. Même si là, ce ballon est un petit peu trop long et ce sera une remise en touche pour les Albanais. Ces joueurs composés, qui composent cette équipe évoluent essentiellement avec les U19. Ils évoluent aussi pour certains en National 2, voire National 3. Ce sont de jeunes joueurs et qui, pour le moment, doivent encore s'aguerrir pour réussir à obtenir une place dans l'équipe première de leur club. Allez, un nouveau coup franc pour les joueurs de Jean-Luc Vanucci. On est assez loin quand même, bien sûr. On est à bien 40 mètres du but gardé par Dervishi, le gardien albanais. Mais qui sait, il y a des joueurs qui sont bons à la tête, notamment Mepiu Menadju. Et ce ballon qui va échouer de peu à côté. C'était bien essayé de la part de Bouchena. On revoit cette action. Il n'était pas hors jeu. Et il vient dévier ce ballon. Mais il ne trouve pas le cadre, le joueur clermontois. En tous les cas, Dervishi, ça ne lui a pas plu. Le gardien albanais qui s'en prend à ses joueurs, à sa défense. Et qui lui demande d'être un petit peu plus vigilante à l'avenir. Remise en touche effectuée par Titi avec son capitaine. La transversale qui arrive jusque dans les pieds de Changui. Matisse Amougou, le joueur de la SSE. Et ballon récupéré par les Albanais qui essaient de se projeter à leur tour. Bastari mis sous pression qui perd ce ballon. Les Français qui ont peut-être une nouvelle opportunité ici avec ce tir lointain. Il était une nouvelle fois signé Bouchena. Mais encore une fois aussi, c'est hors cadre. Mais c'est bien d'essayer de la part du joueur clermontois. Bouchena qui avait inscrit deux buts lors de la dernière confrontation face à l'Italie le mois dernier. Les Bleuets qui avaient passé avec brio ce test face à l'Italie, double confrontation disputée à Clairefontaine et deux victoires à la clé. L'une acquise sur le score de 2 buts à 1 grâce à un doublé de Junior Croupi et l'autre acquise sur le score de 4 buts à 3 avec un doublé de cet homme, donc Bouchena, et également un autre doublé d'Eli Junior Croupi. Jean-Luc Vanucci qui dit donc disposer d'un groupe très travailleur et qui progresse, très respectueux également. Et Jean-Luc Vanucci, on l'a vu donc, qui a composé son équipe en 4-3-3 face à cette équipe albanaise. C'est une nouvelle approche. On va voir ce que cela va donner. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Une bonne entame de match pour les Bleuets qui ont la possession de balle et qui font tranquillement circuler ce ballon. Avec Mepiu Menadju qui tente de jouer un long ballon à nouveau, renvoyé de la tête par la défense albanaise. Mais les deuxièmes ballons sont récupérés par les Français. C'est important d'être à la retombée. Et pour le moment, ils sont au rendez-vous. Nolan Ferro qui revient derrière lui. Avec Mepiu Menadju qui appuie sa passe un peu trop peut-être. Ce ballon n'a pas pu être maîtrisé. Malgré tout, il reste dans les pieds des Bleuets. Et les Albanais qui concèdent une remise en touche. Sangui pour la remise en jeu. Le ballon qui lui est redonné. Nolan Ferro qui renverse côté droit, c'est bien joué. Et là, ce coup-ci, il ne passera pas le Français. Un bon repli défensif. Son vis-à-vis d'Amini a été vigilant. Et le ballon est arrivé jusqu'à Dervishi
qui va pouvoir relancer sa formation et qui demande à son équipe de monter. Le dégagement du gardien albanais. Cette équipe albanaise qui a donc réussi à sortir également du tour de qualification grâce à un succès face à la Suède. Une défaite en deuxième match face à la Croatie sur le score d'un but à zéro. Et un match nul face au Pays de Galles 0-0. Les Bleuets qui, je vous le disais également tout à l'heure, disputeront bien sûr encore deux rencontres dans les tout prochains jours, puisqu'il y aura un match à suivre également sur FFF TV samedi à 11h30 encore une fois face à la Lettonie, et également mardi face à la Suisse, coup d'envoi à 17h. Allez, peut-être une nouvelle opportunité, mais ce ballon n'a pas pu être maîtrisé par le joueur français, en l'occurrence Mathis Amougou. Le joueur de l'AS Saint-Étienne renvoie au 6 mètres pour Dervici qui joue court cette fois-ci avec Bakiou. Le ballon qui reste dans les pieds albanais. Ceux de Marinage. Et Marinage qui perd ce ballon. Et il y aura un coup franc à venir. Intervention de David Higginson. Il était en retard, Vranici. Allez, encore un long ballon. Depuis le début, on essaie d'aller chercher des joueurs loin devant. Pour le moment, ça a été plus ou moins couronné de succès, mais ce ballon va rester malgré tout français. Bouchena qui va essayer de se retourner. Il préfère revenir derrière lui. Et ce ballon a été touché, dévié au passage. Ce sera une nouvelle remise en jeu pour les Français. Toujours Sangui pour la remise en touche. Il essaie cette fois d'aller chercher un partenaire dans la surface. En l'occurrence Bouchena qui a été devancé. Le ballon qui revient dans les pieds de Sangui. Le centre. Et ça a été écarté des points par Dervici. Ce ballon qui va rester malgré tout dans les pieds des Bleuets. Allez, il faut offrir des solutions. Un petit peu de mouvement autour du porteur du ballon. Nolan Ferro qui va repartir côté gauche. Amougou. Allez, c'est bien joué ce 1-2. Il a tenté le grand pont, mais ce n'est pas passé. Titi. Titi qui se bat quand même pour essayer de récupérer ce ballon. Et la défense albanaise qui se dégage tant bien que mal. Pas d'intervention de l'arbitre. Ça continue. Le jeu qui se poursuit. Et finalement, ce ballon qui arrive jusque dans les pieds de Kai Sanda, le capitaine bleuet. Sangui. Kai Sanda. Avec Titi. Titi qui repique dans l'axe et qui cherche Bouchena. Mais c'est mal ajusté. Dervici qui récupère ce ballon et qui va pouvoir effectuer la relance. Ballon rapidement récupéré par les Bleuets. Alors qu'il y aura un programme dense aujourd'hui avec une rencontre à suivre également à 16h, celle des U20. Match de préparation à la Coupe du Monde en Indonésie avec cette partie France-États-Unis. Et puis à 18h, troisième match de la journée, celui cette fois des U19 de Lionel Rouxel qui effectue également leur entrée dans le Tour Élite
du championnat d'Europe. Ça se joue actuellement en Centre-Val de Loire. France-Irlande au programme. Trois belles affiches à suivre donc avec nous sur FFF TV, alors que les Bleus essaient de se projeter à nouveau avec Sanguy. On passe pas mal sur ce côté gauche depuis le début de la partie. Kaysanda. Les Bleus qui travaillent leur vis-à-vis, qui essaient de trouver la brèche. Et qui font tranquillement circuler ce ballon. Amougou, ou plutôt Bouchena. Bouchena qui se bat, qui a été crocheté et qui obtient un nouveau coup franc. On essaie de le jouer rapidement, mais il va falloir attendre un petit peu. Monsieur l'arbitre qui demande à ce que ce coup franc soit bien joué à l'endroit précis où la faute a été commise. Attention à ce ballon dangereux et à cette sortie un peu manquée, on peut le dire, de Derviši qui s'est fait mal au passage. Il a essayé de boxer ce ballon et il y a eu un contact. Il reste au sol. On va revoir cette sortie du gardien. Voilà, qui sort comme il peut et qui embarque un petit peu tout sur son passage. Il y avait la Bouchena et également Issoufou. Et il s'est fait mal, le gardien albanais. Alors on sait qu'on est très vigilant, notamment au niveau du protocole commotion. Il semblerait que ce soit plus au niveau de la hanche que le gardien souffre. Et pris un coup. Et le temps que le gardien se remette retrouve ses esprits plus exactement, Jean-Luc Vanucci va pouvoir distiller quelques conseils à son capitaine, notamment Kaysanda. Après 17 minutes de jeu, si vous nous rejoignez, vous le voyez, le score n'a pas bougé, 0-0 entre la France et l'Albanie. La domination pour le moment française avec plusieurs opportunités pour Bouchena qui n'a pas réussi à cadrer ses occasions. L'équipe de France qui est bien rentrée dans cette partie et qui a décidé de mettre le pied sur le ballon. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Derviši, il s'est relevé. Allez, le ballon qui est rendu au gardien albanais qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. Derviši qui quitte sa surface de réparation et qui dégage loin devant, directement sur une tête française. Et encore une fois, les deuxièmes ballons qui sont remportés par les Français, même si les Albanais parviennent malgré tout à récupérer. Une passe mal ajustée qui profite à Bouneb. Bouneb sur le côté gauche avec Sanguy. Il a un petit peu d'espace devant lui, le joueur du stade de Reims. Amougou qui trahit son vis-à-vis et qui repique dans la surface de réparation. Sa frappe a été contrée. Le ballon, encore une fois, qui ne trouvera pas le cadre. C'était signé Amougou, cette tentative. Et qui passe très largement au-dessus du but. Mais c'est pas grave, c'est bien essayé de la part des Français. Qui, pour le moment, n'hésite pas à tenter leur chance, même en dehors de la surface de réparation. Il va falloir juste essayer d'ajuster la mire. Allez, les Albanais qui vont essayer de se procurer peut-être une première occasion avec une course de Selmani, qui essaie de récupérer ce ballon, mais il a été devancé. La défense française mise à son tour sous pression. Et Mepiou Menadjou qui a couvert ce ballon, il a laissé sortir en touche. On est dans le camp français. Pour le moment, Romain Jean-Baptiste est tranquille dans son but. Le gardien du FC Metz n'a rien eu à faire. Alors qu'on approche de la 20e minute de jeu.
Titi qui revient derrière lui. Avec son capitaine Kaysanda. Sangui. Ferro à présent. Ça circule bien. Il y a un décalage qui est fait. Le centre en retrait, c'est bien fait. Ce ballon qui reste dans les pieds de Bouchena. Il préfère revenir derrière lui. La tentative signée Ferro, ça a été contré. Et ballon renvoyé par la défense de Selmani. Ballon conservé par les Bleuets. On est toujours sur le côté droit. Le centre qui est dévié. Centre signé Bouneb, passé côté droit. Et ça offrira un premier corner à l'équipe de France. Allez, corner frappé par Issoufou, le Montpelliérain. Frappé, finalement non, joué à deux. Issoufou qui centre désormais la tête. Et ça passe, non, ça a été renvoyé par la barre transversale. C'est allé très vite, cette tête de Kaysanda qui a été renvoyée donc par la barre. Ça a été pleine barre là pour le capitaine valenciennois. Et derrière, ça n'a pas pu totalement profiter aux Français. Première occasion très chaude sur les buts de Dervichy. Il était battu, le gardien albanais. Et la défense albanaise a été prise de court sur ce corner joué à deux. Et ce très bon centre d'Issoufou. On revoit cette action. Issoufou qui centre de son pied gauche. Et là, le capitaine qui jaillit au premier poteau, Kaysanda, qui voit sa tête puissante renvoyée par la barre transversale. Quel dommage! Allez, il faut continuer pour les Français. Ils ont fait une belle entrée en matière. Sangui avec Mepiou Menadjou. Malheureux, il y a quelques secondes donc. Vous l'avez vécu, cette tête sur la barre transversale. Mais toujours pas de tir cadré donc. Allez, remise en touche pour les Bleuets. Avec Ferro qui va essayer de trouver ce centre. Finalement, ça a été un petit peu long. Ça reste malgré tout dans les pieds français. Ce ballon qui est écarté avec beaucoup de calme de la part du défenseur albanais qui vient rejouer derrière lui avec son gardien. C'était Selmani. Bien évidemment, n'hésitez pas à réagir sur YouTube. Je vois qu'il y a pas mal de questions d'ailleurs, je vais tâcher d'y répondre. Alors que là, il y a les Albanais qui essaient également de sortir un petit peu de leur camp, mais ça ne dure pas bien longtemps. Attention à ce contre français avec Bouchena qui est lancé, excentré, côté droit face à trois défenseurs albanais. Bouchena qui revient derrière lui, c'était bien tenté, mais malheureusement... cette occasion va échouer encore une fois de peu à gauche du but de Dervichy. Bouchena qui a bien fixé et qui était parvenu à trouver juste derrière lui un coéquipier. Toujours pas d'occasion cadrée pour le moment pour les Français. Mais il se montre dangereux après 24 minutes de jeu. Le score n'a pas bougé, 0-0. Les Français sont malgré tout les plus présents dans cette partie. Et justifient leur statut de favori. Un nouveau coup franc. On est loin, bien sûr, aux abords de la ligne médiane. Ça a été rapidement joué. Encore
Une faute, me semble-t-il, concédée par les défenseurs albanais. Le match est en train de se hacher un petit peu. Le défenseur albanais qui était en retard sur Ivan Titi. On a vu que les joueurs français pouvaient répondre présent dans le jeu aérien tout à l'heure avec cette tête sur la barre. La tête de Joachim Kaissanda, le capitaine. Et là, il y a pas mal de friction dans la surface de réparation. Du coup, David Dickinson appelle les joueurs à faire attention, tout simplement. À arrêter de se frictionner. À éviter les tirages de maillot. Allez, coup franc rentrant. Frappé par le joueur français. L'ouverture du score cette fois-ci. C'est Kaissanda, une nouvelle fois. Non, finalement, Mepiu Menadjou, autant pour moi. Mepiu Menadjou, le joueur du FC Nantes qui est venu placer sa tête au premier poteau. Il est venu couper ce ballon. Et cette fois-ci, Derichi n'y a rien pu. Il est battu. Superbe combinaison. Superbe coup franc tout d'abord. Frappé par Issoufou une nouvelle fois. Et Mepiu Menadjou, il a tout compris. Il est venu couper ce ballon au premier poteau pour l'ouverture du score après 26 minutes de jeu. L'équipe de France qui fait la course en tête. Et c'est mérité, on peut le dire. Hein. Clairement, au vu de ses premières minutes. Tout à l'heure, c'était le capitaine Joachim Kaissanda qui avait vu sa tête repoussée par la barre transversale. Cette fois-ci, son partenaire de la charnière, Mepiu Menadjou, a fini par trouver la faille. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour les joueurs de Jean-Luc Vanucci. Ça va leur donner confiance encore un petit peu plus. Eux qui sont sur une excellente série. 9 matchs sans défaite cette saison. Un seul match nul concédé face à la Tunisie. Et encore, c'était lors de leur toute première rencontre de la saison. Autant dire qu'il fallait mettre en place certains automatismes, même si ces joueurs se connaissent. Ils évoluaient déjà pour la plupart ensemble la saison dernière en U16. Alors que l'on revoit ce but, cette ouverture du score de Mepiu Menadjou. Et encore une fois, cet excellent coup franc d'Issoufou. Les Français qui continuent d'appuyer et d'insister. Évidemment, ils seraient très inspirés d'inscrire un deuxième but rapidement, d'enfoncer le clou. Amougou qui va retrouver là-bas Titi, le joueur de l'Estac. Mauvaise passe de Titi, c'est pas grave, ça reste dans les pieds français avec Kaissanda, Mepiu Menadjou, Sangui qui touche beaucoup de ballons au cours de cette première demi-heure. Encore une fois, on insiste sur ce côté gauche, même si le but est arrivé grâce à une offensive menée sur la droite. Les Français qui tentent de forcer le verrou sur ce côté gauche donc. Et là, le renversement de jeu, il est bon. Le contrôle un petit peu moins, même si finalement, il y a un deuxième but. Ça m'avait échappé avec l'ombre. Mais c'est Issoufou qui inscrit le deuxième but bleuet. On aura l'occasion de revoir cette action encore une fois. C'est allé très vite, il y a eu un renversement de jeu. On était côté gauche, on est passé côté droit. Et Issoufou qui a été passeur décisif tout à l'heure et cette fois à la réception du centre. Et il vient inscrire ce deuxième but. Ça fait très très mal aux têtes albanaises. On revoit ce but avec ce débordement, ce centre en demi-volée. Et il est tout seul, Issoufou, au second poteau pour venir placer sa tête. C'était Yoram Zagué, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a réussi à déposer ce ballon littéralement sur la tête de Yanis Issoufou, le Montpellierain. 2-0 pour l'équipe de France. Et on ne joue que depuis 30 minutes de jeu.
Superbe entame de match des joueurs de Jean-Luc Vanucci. Là, les Albanais qui vont essayer de réagir à présent. Attention à ce ballon qui traîne aux abords de la surface. Les Français qui tardent à se dégager. Évidemment, il faut être vigilant. Après un but, il y a toujours un petit moment de décompression. Et là, les Français viennent d'en inscrire deux coup sur coup, si vous nous rejoignez. Ouverture du score du Nantais, Mepu Menadjou. Et dans les minutes qui suivent, c'est Issoufou qui fait le break. Alors qu'il y a un premier carton sorti à l'encontre de Marinage pour ce tacle très en retard sur Issoufou, donc le deuxième buteur français. Superbe entrée en matière pour les joueurs de Jean-Luc Vanucci. Décidément intraitable cette saison, il ne laisse rien passer. Deux buts en quelques minutes. Alors qu'ils avaient mis un petit peu de temps avant de trouver la mire, ils s'étaient procuré plusieurs situations dangereuses au cours des 20 premières minutes. Et puis derrière, ce premier but leur a certainement encore donné confiance. Et que dire de ce deuxième qui va les lancer, attention malgré tout, à cette balle perdue, plein axe, et qui aurait pu profiter aux Albanais, mais le tir a été contré. Les défenseurs français qui restent malgré tout vigilants. Et l'Albanie qui va essayer de se procurer une première situation. Romain Jean-Baptiste n'a rien eu à faire, le gardien messin pour le moment. Le ballon dans les pieds du capitaine albanais Kurti qui cherche une solution. Les joueurs français qui restent haut sur cette pelouse de la Combetta Arena. Un pressing qui leur permet de récupérer ce ballon. Non, finalement, ballon dégagé tant bien que mal par les Albanais. Et voilà un premier ballon pour le gardien du FC Metz, Romain Jean-Baptiste, qui relance à la main avec Noah Sangui. Allez, une belle percée du milieu de terrain tricolore ici, c'est bien fait, il a réussi à éliminer trois joueurs. Le décalage qui est fait à Amougou qui revient côté droit avec Titi face à deux défenseurs albanais. Il parvient à décaler sur sa droite Ismaël Bouneb et ce centre qui est arrivé directement sur Derwichi. Le centre de Bouneb mal ajusté, dommage. Allez, récupération de balle pour les Français. Et ce ballon lui a échappé à Yoram Zagué. Remise en jeu de Damini pour les Albanais. Une longue remise en jeu. Et les Français qui n'ont pas peur d'aller au contact. Et qui vont récupérer cette touche. Allez, Yoram Zagué, le Parisien, qui va pouvoir aller se mettre un petit peu plus en position offensive et appeler ce ballon. C'est bien, on écarte bien là-bas, côté gauche, avec Sangui. Sangui qui appelle à nouveau ce ballon, il a été servi. Sangui qui retrouve son coéquipier. Un ballon dans la surface de réparation, il était dos au but à Amougou. C'était pas évident pour lui. Et malgré tout, le ballon reste dans les pieds des protégés de Jean-Luc Vanucci, qui, si vous nous rejoignez, mène toujours 2-0. 2 buts inscrits en l'espace de quelques minutes par le Nantais Mepu Menadjou et le Montpelliérain Issoufou, auteur donc dans cette partie d'une passe décisive et d'un but.
Allez, il faut se parler, attention, parce que ce ballon, il peut être récupéré par les Albanais, qui vont essayer de se ressaisir, évidemment. Pour le moment, il n'y a pas vraiment photo, les Français sont supérieurs. C'est assez difficile pour cette équipe albanaise de réussir à construire ses actions, constamment coupées par les défenseurs français, bien en place, et qui effectue un bon pressing. Attention, double tacle de la part du joueur albanais, mais ce ballon qui reste dans les pieds français de l'un des buteurs de la partie, Mpiu Menadju, qui n'hésite pas à effectuer un dépassement de fonction. On l'a vu, il était prêt à assurer la relance lui-même et à repartir de l'avant. Et là, il a demandé, il pensait en tous les cas que la remise en jeu était pour lui, mais finalement, elle sera albanaise. Le ballon qui ne reste pas bien longtemps pour les Albanais. Le pied a été mis par les Français. Ballon récupéré avec le capitaine Kaïsanda. Mpiu Menadju. Les Français qui se trouvent bien. Ils écartent bien le jeu. Les Albanais ont un temps de retard pour le moment. Ferro dans le rond central avec Sangui. Ferro à nouveau qui revient derrière lui avec Mpiu Menadju. Kaïsanda. Les Albanais qui sont pratiquement 11 dans leur propre moitié de terrain. Là, c'est le cas sur cette image. Ils sont réduits à défendre. Allez, peut-être une nouvelle opportunité avec ce ballon en retrait. Ça a été bien lu cette fois par la défense albanaise qui va tenter de ressortir. Selmani derrière lui. Avec un long ballon jusque dans les pieds de l'avancante Souleymani. Une passe qui a failli échapper aux Albanais, mais le ballon reste dans les pieds des Blancs. Avec un centre désormais, c'est renvoyé par le capitaine Kaïsanda. Et là, le bon repli défensif bleuet, même si ce ballon a été rendu. Attention avec ce centre qui arrive jusque dans les gants de Romain Jean-Baptiste, pas inquiété, et qui peut relancer tranquillement à ses côtés pour Mpiu Menadju. Ferro avec Titi. C'est la première rencontre pour nos Bleuets. Cette rencontre France-Albanie dans le Tour Elite qualificatif à l'Euro 2023. Je vous rappelle que ça se jouera en Hongrie du 17 mai au 2 juin. Les Français qui disputeront encore deux rencontres dans ce groupe. L'une sera à suivre samedi face à la Lettonie. À la même heure, coup d'envoi 11h30. Et puis mardi, il y aura la troisième et dernière affiche face à la Suisse. Là aussi, vous pourrez la suivre évidemment sur FFF TV à 17h. Les Français qui doivent finir premier de leur poule pour s'assurer de la qualification, ou bien finir parmi les 7 meilleurs deuxièmes. Et sur FFF TV, on vous propose un programme très riche aujourd'hui, avec également deux rencontres à suivre à 16h, celle des U20 de Landry Chauvin, qui prépare leur Coupe du Monde en Indonésie en mai prochain. France-États-Unis, ce sera la rencontre à suivre aujourd'hui, donc, à 16h. Et puis à 18h, il y aura une troisième et dernière rencontre, celle des U19 de Lionel Rouxel, qui eux aussi vont rentrer dans leur tour élite du championnat d'Europe.
avec une rencontre face à l'Irlande. Attention avec cette situation française. Dommage ce ballon qui a été mis en retrait, mais personne n'était là pour en profiter, si ce n'est l'Albanais Vranici. Double buteur face à la Suède. L'Albanie qui lui doit une fière chandelle. Si elle en est là, c'est en partie grâce à ses deux réalisations face à la Suède. Et le gardien Romain Jean-Baptiste qui relance à la main. Alors que le sélectionneur albanais Ervin Bulbu n'est pas très satisfait pour le moment. Évidemment, on le saura à moins de la prestation de son équipe. Mais il y a une différence d'écart et de classe entre ces deux formations, d'expérience aussi. Les Français qui assument parfaitement leur rôle de favori dans cette partie. Ils mènent toujours 2-0 avec le débordement ici de Zagré. Zagré, le Parisien, qui centre au point de pénalty. Personne pour récupérer ce ballon, si ce n'est cette frappe finalement de Nolan Ferro, un petit peu trop croisée. Elle a été touchée au passage et ce sera donc un corner pour les Bleuets. On revoit ce débordement de Zagré. C'était bien joué de sa part, essayer de trouver quelqu'un au point de pénalty. Amougou était un petit peu trop court, mais derrière, Nolan Ferro a malgré tout pu tenter sa chance. Cette frappe qui a échoué à quelques mètres du but albanais. Corner joué à deux. Issoufou qui a redonné à son coéquipier encore une tête française. Ils sont bons dans le jeu aérien. Et il le prouve une nouvelle fois avec cette fois-ci Titi qui est venu devancer son vis-à-vis et placer cette tête légèrement au-dessus du but. C'est dommage. Il y avait une belle situation encore une fois. Les Français qui auraient pu encore alourdir l'addition. Mais pour le moment, le score ne bouge pas. 2-0. Les Français ont fait le break. Ils évoluent dans un fauteuil dans cette partie pour le moment. Titi qui hérite de ce ballon et qui va chercher dans la profondeur loin devant Bouchena. Bouchena qui est dos au jeu, qui parvient malgré tout à conserver ce ballon. Ferro qui oriente tout là-bas côté gauche avec Issoufou. Il a l'appel devant lui de Sangui, préfère revenir derrière lui. Amougou avec Issoufou. Ça travaille bien côté français. On ne se précipite pas. Ferro. Yvon Titi. Attention à cette mauvaise passe du Troyen. Ça profite aux Albanais. Et le bon pressing de Zagré qui va permettre aux Français peut-être de récupérer ce ballon. Oui. Plus exactement, une remise en jeu. Ce sera pour Titi. Qui a manqué sa passe juste avant. Attention quand même à ses sautes de concentration et ses passes faciles, ou du moins qui peuvent paraître simples parfois et que l'on peut manquer. Allez, on calme le jeu alors qu'on approche tranquillement de la fin de cette première période. Amougou qui cherche un partenaire, il a trouvé Ferro devant lui. Mepiou Menadjou avec Issoufou. Issoufou qui tente de passer, mais finalement il a perdu ce ballon. Pas d'intervention de M. Dinkinson, le jeu qui se poursuit. Et l'Albanie qui tente de pointer le bout de son nez, mais encore une fois, cette balle a été coupée par l'équipe de France. Alors que Zagré est en dehors des limites du terrain pour recevoir quelques soins. L'air d'aller pour le joueur parisien.
Remise en jeu pour les Albanais. On revoit, c'est sur cette action. Hein. Il a reçu un coup de son vis-à-vis. Vranici qui était en retard. Mais finalement, plus de peur que de mal pour le Parisien. Qui est bien sur cette pelouse de la Combetta Arena. Qui répond présent comme ses 10 autres partenaires. Il est là, il est au rendez-vous. Pour le moment, l'équipe de France qui a réussi une très belle prestation. Allez, Zagré, justement, le voici. Il parvient à trouver un coéquipier, mais ballon mal ajusté, dommage. Même si derrière la couverture française est bonne, celle de Noah Sanghi. Et il va y avoir un deuxième carton jaune pour l'équipe d'Albanie. Après marinage, c'est cette fois Bastari qui est averti. Bastari en retard sur Sanghi. Et Sanghi qui reste au sol également. Espérons que ce soit rien de trop sérieux pour le joueur du Stade de Reims. Lui qui a réussi également de jolis débordements. Il a été très actif au cours de cette première période sur son flanc gauche. Et il se tient les adducteurs, c'est pas bon signe ça. Le staff médical qui s'affaire autour du latéral. On voit l'action. Hein. Bastari très en retard sur cette action. Allez, un petit coup de froid. Peut-être que ça ira mieux. On l'espère en tout cas. Il a été très précieux jusqu'à présent dans cette partie. Espérons que ça aille. Il s'est relevé. Affaire à suivre. On va voir ça de plus près, même si là on est rentré dans le temps additionnel et l'arbitre ne devrait plus tarder à renvoyer tout ce beau monde au vestiaire. Voilà, c'est reparti avec Mpiu Menadjou. Ferro dans la moitié de terrain française. Il oriente le jeu, le joueur du Racing Club de Strasbourg. Mpiu Menadjou. On attend tranquillement le coup de sifflet de l'arbitre côté tricolore. Et le gardien qui touche quelques ballons. C'est toujours bon pour la confiance aussi. Et voilà le coup de sifflet de David Dickinson pour signifier la fin de cette première période sur ce score de 2-0. 2-0 pour nos Bleuets. Un score mérité. Et les buteurs, je vous le rappelle, si vous étiez finalement arrivé en cours de partie, c'est Mpiu Menadjou qui a ouvert la marque sur un joli coup de tête. Et c'est ensuite Issoufou qui a doublé la mise. L'équipe de France qui a fait le break en l'espace de quelques minutes et qui est très bien partie dans cette rencontre. Je vous invite à rester avec nous au cours de cette mi-temps puisqu'il va y avoir désormais deux reportages à venir. L'un sur nos U17 avant le départ pour l'Albanie et puis un autre sur l'équipe de France qui s'apprête à lancer sa campagne de qualification à l'Euro 2024. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour le coup d'envoi de cette seconde période. A tout de suite.
On ouvre bien. Ok, plus sur le côté. De tout. Allez, on allonge. Dommage. Sorti là-bas. Ça joue. Allez, celui-là, il est bon. Partout. Ça joue, là. Oui. Allez, on se serre des mains. Hop, ça va. Hop. Non. Sérieux? Non, c'est pas dans une boîte. Non. Pourquoi pas? Ouais. Ah, la vie, c'est allez. Ok, les gars. Hop. Voilà un athlète là. Intérieur, extérieur, voilà, on bloque, intérieur ou extérieur et hop, on enchaîne. Donne trop fort, père Alphonse. On change. Eh bien. On est rassemblés pour préparer la dernière étape avant, on l'espère, l'Euro en Hongrie. C'est-à-dire le tour élite. C'est le dernier tour qualificatif pour les championnats d'Europe qui aura lieu en mai en Hongrie. Là, on va affronter l'Albanie, la Lettonie et la Suisse en Albanie. L'objectif étant de finir dans les deux premiers pour se qualifier pour l'Euro pour la génération 2006. On a fait une année découverte en U16 l'année dernière avec cette génération. Le groupe n'a pas été beaucoup modifié, il y a des repères qui ont été pris par l'ensemble du groupe. On fait pour l'instant un très beau parcours depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a été bien jusqu'à maintenant qu'il va falloir relâcher, bien au contraire, parce que ce qui nous attend va être pas facile en Albanie. On travaille principalement les animations offensives et défensives sur l'adversaire. On est un groupe uni, quand ça va pas, on arrive à rester solide et quand ça va bien, on sait exploiter nos qualités au service du collectif. On a un état d'esprit de vainqueur. Depuis le début de l'année, on est invaincu pour l'instant. On espère que ça va continuer et on se sent bien en groupe et on sait qu'il y aura un titulaire et des remplaçants, mais on est tous soudés avec un même but. Ils sont aussi bien en dehors que sur le terrain. Donc en fait, c'est très important pour nous. On est en relation très étroite avec les clubs. S'il y a le moindre problème de comportement en club, on ne les prend pas parce qu'ils ne méritent pas d'être en équipe de France.
Voilà, mais en tout cas, ce groupe-là réagit très bien à beaucoup de choses et est très respectueux, travaille bien et beaucoup. Donc, c'est pas un hasard pour l'instant les performances qu'ils réalisent. On va jouer trois équipes qui vont jouer dans trois systèmes différents. Donc, c'est aussi pour eux une découverte. On est allé faire deux matchs au Maroc pour voir un autre football, le football un peu nord-africain. Là, aujourd'hui, on rentre sur l'Europe avec des systèmes à 3, à 4 défenseurs. Donc ça modifie notre approche tactique, surtout défensive, pour mettre à mal ces équipes-là. Donc c'est à la fois être compétitif dès la semaine prochaine et constructif pour ces jeunes joueurs qui sont en formation. La qualité aujourd'hui technique n'est pas la même qu'un joueur mature, bien entendu. Ils sont en pleine progression et on a vu déjà de U16 à U17, ils ont passé un cap énorme. Pour exemple, le travail devant le but l'année dernière, on allait chercher beaucoup les ballons. On y va de moins en moins, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus chirurgicaux et précis dans leur frappe. Donc on voit que les clubs travaillent bien et voilà, c'est que des petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui ils sont en progression et on l'a vu ce matin, ils trouvent des passes qu'ils ne trouvaient pas il y a peu de temps. Donc c'est des joueurs qui jouent déjà en U19 pour la plupart, voire en N2, en N3. Donc les caps sont franchis assez vite en France. C'est une très grande fierté pour moi de porter ce maillot parce que c'est pas n'importe qui peut le porter. Et j'en suis très fier et je défendrai mes couleurs avec honneur. Je suis très fier de représenter mon pays, surtout pour essayer de nous qualifier pour le championnat d'Europe. C'est une immense fierté. Parce qu'en plus, il y a les 2005 qui l'avaient gagné l'année dernière. Nous, pourquoi pas le faire cette année aussi.
Les joueurs qui font leur retour sur cette Kombeta Arena de Tirana en Albanie. Les Français qui, si vous nous rejoignez, mènent toujours sur le score donc de 2-0 face à cette équipe de l'Albanie, pays hôte de ce tour élite qualificatif pour l'Euro 2023. Les Français ont réussi une très belle première période avec 2 buts inscrits par le Nantais Mepiou Menadjou et le Montpelliérain Issoufou. 2 buts qui sont venus ponctuer une très nette domination française. Alors qu'il y a déjà du changement côté albanais avec a priori 2 nouveaux entrants. On les voit à l'écran ici, l'entrée en jeu notamment de Shpouza, le numéro 15. 2 changements pour cette équipe albanaise qui a eu beaucoup de difficultés à se montrer dans ces 45 premières minutes face à une équipe de France qui était à la fois présente offensivement mais aussi défensivement et qui a coupé pratiquement toutes les passes un petit peu dangereuses de son adversaire. L'Albanie qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants de cette seconde période. Pas de changement hein, côté français. Ce sont les mêmes 11 joueurs qui ont entamé cette rencontre que l'on retrouve pour le coup d'envoi de ces 45 prochaines minutes. Sangui est toujours sur la pelouse. C'est une bonne nouvelle. Il avait offert une très très belle première période à l'image de ses nombreux débordements côté gauche. Sangui, le voici, qui préfère revenir derrière lui avec l'un des buteurs de cette partie, Mepiou Menadjou. Allez, c'est bien fait, cette combinaison. Le centre de Ferro, second poteau, et Dervici qui parvient à dévier ce ballon, heureusement pour lui. Il y avait encore une fois danger. Mepiou Menadjou qui a tenté d'apporter le surnom. Finalement, il vient se replacer derrière. Le joueur du FC Nantes, un joueur à suivre. L'un des grands espoirs du club de la Loire-Atlantique. Allez, Amougou. Maintenant, le joueur de l'AS Saint-Étienne avec Ferro. Pas évident de jouer ce ballon, mais ça reste malgré tout dans les pieds d'Ismaïl Bouneb. Et Zagré qui tente de faire la différence, il est vif, le joueur parisien, l'obtient un corner. Il avait tenté le grand pont sur le défenseur albanais, alors que l'on revoit ici cette intervention à une main du gardien Dervici. Il y a eu beaucoup de boulot au cours de cette première période pour lui. Et 2 buts encaissés. 2 fois, il est allé chercher le ballon au fond de ses filets. Les Français seraient bien inspirés d'en inscrire un troisième tout de suite, d'entrer dans cette seconde période. Et là, il s'est battu. Encore une fois, Ivan Titi, mais il n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir en touche. La remise en jeu pour Bakiou. Encore une longue remise en touche côté albanais. Et ballon rendu une nouvelle fois. Les Français sont présents dans l'impact. Ils répondent aux défis physiques albanais. Et surtout, ils sont bien en place. Pour le moment, ils n'ont pas vraiment été mis en danger. Et Romain Jean-Baptiste connaît une rencontre très tranquille. Le capitaine Kaïs Sanda qui revient justement avec le gardien du FC Metz. N'hésitez pas hein, bien sûr à réagir sur YouTube.
si vous êtes avec nous. Ou si vous êtes arrivé en cours de match, plus exactement, je vous rappelle les buteurs de cette partie. Mepiu Menadjou à la 26e. Et Issoufou, 3 minutes après seulement, pour le but du break. À noter qu'il y a eu déjà également 2 avertissements, tous côté albanais. Mepiu Menadjou. Le ballon qui circule tranquillement dans les pieds français. Amougou qui a décroché un petit peu, qui est venu récupérer ce ballon un petit peu plus bas sur le terrain. Des Albanais qui tentent de rester un petit peu plus haut sur la pelouse qu'ils ne l'ont fait en première période. En tous les cas, dans cette entame de seconde période. Même si là, ça n'empêche pas les Français de trouver des intervalles. Et ça peut aller très vite. Attention à cette accélération de Bouchena qui oriente le jeu côté gauche avec Sangui. Sangui qui a été contré, qui va pouvoir peut-être quand même conserver le bénéfice du ballon. Il obtient une touche, le joueur du Stade de Reims. Touche qu'il va lui-même effectuer. Allez, il y a de l'espace ici avec Ferro qui tente sa chance. C'est bien fait. Une frappe puissante du joueur du Racing Club de Strasbourg qui passe à un bon mètre à côté du but de Derviši. Les Français qui n'hésitent pas à tenter leur chance, y compris en dehors de la surface de réparation. Pour le moment, ça n'a pas fait mouche. Les deux buts ont été inscrits à l'intérieur de la surface. Un premier à l'issue d'un coup de pied arrêté. Le second après un renversement de jeu. Et un centre millimétré de Zagré pour Issoufou. Issoufou, le voilà. Ballon au pied. Il joue tranquillement derrière lui. Mepiu Menadjou. Avec Kaïs Sanda. Il y a de l'espace là, côté droit pour Titi. Il va tenter peut-être de s'y engouffrer. Finalement, il préfère revenir avec Kaïs Sanda. Mepiu Menadjou. Sangui qui rejoue avec Mepiu Menadjou. L'équipe de France qui pour le moment poursuit sa série d'invincibilité. Je vous rappelle qu'elle a disputé jusqu'à présent 9 rencontres. Le bilan, il est de 8 victoires et un seul match nul. Pour le moment, l'équipe de France qui entame parfaitement ce tour élite qualificatif pour l'Euro 2023. Ballon écarté par un tacle du défenseur albanais. Les remises en touche pour les Français quand même. L'équipe de France qui continue également de marquer beaucoup de buts. Elle avait réussi à en passer pas moins de 4 face à l'Italie lors de sa dernière sortie. Et même si Eli Junior Croupier, je vous le rappelle, est forfait pour ce rassemblement, Jean-Luc Vanucci peut compter sur une équipe très homogène et des joueurs très efficaces. À l'image de Bouchena, par exemple, qui est titulaire aujourd'hui à la pointe de l'attaque. Il n'a pas encore marqué, c'est vrai, au cours de cette partie, mais qui sait, il lui reste du temps encore pour le faire. Et il va y avoir ici un coup franc. On se rapproche tranquillement du but gardé par Derviši, un coup franc à une vingtaine de mètres, même s'il est très excentré quand même. C'est Issoufou qui s'est emparé du ballon.
Il est doté d'un bon pied. On a eu l'occasion de s'en rendre compte, notamment sur le premier but, avec ce superbe centre pour Mpiu Menadju. Le Montpellier hein, qui va essayer de mettre sa qualité de frappe au service de son équipe. Ce ballon était cadré et il y a eu un rebond, mais Dervici veillait au grain. Et il a pu s'emparer tranquillement, finalement, de ce coup de pied arrêté. Coup franc sans danger pour le gardien albanais qui a relancé. Le score qui ne bouge pas. Toujours 2-0 pour les Bleuets. Ils retrouveront, je vous le rappelle, la Lettonie dans leur deuxième rencontre de ce tour élite. Match à suivre sur FFF TV samedi à 11h30. Coup d'envoi à 11h30 également. J'aurai plaisir à vous commenter cette partie. Alors qu'il y a une nouvelle intervention de l'arbitre, Monsieur Dickinson, pour cette faute signée Bakiou. On revoit ce coup franc d'Issoufou. Il était effectivement bien cadré, mais peut-être un petit peu trop au centre du but, justement. Sans danger pour le gardien Dervici. Il va y avoir un coup franc à rejouer là en l'occurrence. Le mur qui est sorti un petit peu trop tôt. Et donc Monsieur Dickinson qui demande aux joueurs albanais de respecter surtout le coup de sifflet. Voilà qui est fait. Le coup franc a été joué, mais ce coup-ci, il n'a pas trouvé preneur. C'est arrivé jusque dans les gants de Dervici. Relance à la main. Ballon récupéré peut-être par les joueurs de Jean-Luc Vanucci avec cette tentative d'ouverture. Bonne lecture de la part du défenseur albanais. Il a réussi à écarter le danger de la tête. Si l'on compte les deux buts inscrits aujourd'hui, cela porte désormais à 29 le nombre de buts inscrits par cette équipe de France en un petit peu moins de 10 matchs. C'est dire, hein, comme cette attaque est prolifique. Il y avait eu pas moins de 7 buteurs différents lors du tour de qualification. Mathis Lambourde avait inscrit 4 buts à lui seul. Et lui, Junior Croupi en avait inscrit 2, tout comme Ismaël Bouneb, le joueur de Valenciennes. Un ballon dans la surface, c'est Amougou qui a réussi à conserver ce ballon et à écarter sur le côté droit pour le centre de Titi. La tête du défenseur albanais, mais le ballon qui reste dans les pieds du Troyen. Ferro qui doit revenir derrière lui finalement. Et il a déserté sa surface de réparation, Romain Jean-Baptiste, pour aller chercher un partenaire là-bas, tout loin devant. Aux abords de la surface de réparation et intervention de Monsieur Dickinson. Qu'est-ce qu'il a vu l'arbitre écossais? En tous les cas, il sort à nouveau un carton jaune. Troisième joueur averti côté albanais. C'est cette fois Jakou qui a hérité d'un avertissement. On va revoir ce qui s'est passé. Difficile de se faire une idée sur cette image. En tout cas, ça fait 3 joueurs avertis côté albanais et une belle opportunité pour les Français, et plus exactement pour Ismaël Bouneb, de corser l'addition alors que l'on approche tranquillement de l'heure de jeu. 58e minute de jeu à la Combettar Arena si vous nous rejoignez. Allez, Bouneb qui cherche un partenaire sans succès. Je vois que vous me demandez si Croupi est sur cette pelouse de la Combettar Arena. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est forfait pour ce rassemblement, le Lorienté. Et on espère le retrouver très vite avec nos Bleuets. Et autant que possible, lors de l'Euro qui se jouera en Hongrie en mai prochain.
Eli Junior Croupy, effectivement, qui est un des joueurs phares de cette sélection. Le Piumenadju avec son partenaire de la charnière centrale, Kaïs Sanda, qui porte le brassard de capitaine ce matin. J'allais dire aujourd'hui non, on est bien en pleine journée, hein, vous le voyez bien avec ce beau soleil. Et ça peut repartir côté albanais, peut-être une opportunité ici avec Toscu. Toscu qui parvient à se défaire de plusieurs joueurs français. C'est bien joué de sa part. Et Tanem Mbappé non plus n'est pas dans cette sélection. Le talentueux joueur du Paris Saint-Germain qui a fait ses premières apparitions avec le groupe professionnel. Peut-être qu'on aura l'occasion dans quelques mois, peut-être la saison prochaine, hein, de voir Ethan Mbappé évoluer aux côtés de son frère, Kylian, le nouveau capitaine de l'équipe de France, qui aura l'occasion de porter pour la première fois au coup d'envoi le brassard de capitaine face aux Pays-Bas, vendredi soir plus exactement, au Stade de France, l'équipe de France qui fera son entrée dans ses rencontres de qualification face à l'une des grandes nations du foot, les Oranges. Alors que plusieurs changements vont être opérés côté français, on a pu voir notamment deux joueurs qui s'apprêtent à faire leur entrée. Allez, Ferro, aux abords de la surface de réparation. Il y a eu un 1-2 qui a été joué et le joueur français s'écroule dans la surface, mais Monsieur Dickinson indique qu'il n'y aura rien. Ce sera finalement un renvoi aux 6 mètres pour le gardien d'Ervici. Voilà, un petit peu de mouvement, beaucoup même on peut dire. Trois joueurs français qui s'apprêtent à faire leur entrée. Parmi eux, Mathis Lambourde, le joueur du Stade Rennais, avec le numéro 19. Lui aussi, c'est un joueur qui est très efficace dans cette équipe, qui a marqué à de nombreuses reprises. Voilà Mathis Lambourde qui entre donc en jeu sur cette Combetta Arena, tout comme le Gomis. Et du côté de l'Albanie, il y a là également deux changements. Les entrées en jeu de Pressager numéro 11 et Kachari, le numéro 10. Un peu de sang frais pour cette dernière demi-heure. Alors que l'équipe de France mène toujours 2-0. Pour le moment, pas de véritable occasion dans cette seconde période. Si ce n'est cette frappe de Ferro qui a échoué de quelques centimètres à côté du but gardé par Dervici. Les Albanais qui ont pour une fois également l'opportunité de frapper au bout. Et ce n'est pas cadré, ça passe largement à côté. Il était loin le joueur albanais, peu de solutions s'offraient à lui. Alors il a tenté sa chance mais il a complètement dévissé. Ça peut repartir pour les Bleuets avec ce long ballon à jouer. Pas évident pour Bouchena. L'un des premiers ballons joué par Lambourde, le joueur du Stade Rennais. Le voici, Lambourde, qui écarte sur le côté gauche. Les passements de jambes. Bouabré qui tente sa chance et c'était cadré. Bien tenté de la part du joueur tricolore. Il y avait deux joueurs face à lui.
Et il a tenté sa chance pour également son premier ballon. Le joueur de l'ASM qui a trouvé le cadre. Mais sa frappe manquait un petit peu de puissance pour venir tromper le gardien albanais. Le score qui ne bouge pas pour le moment, toujours 2-0. Les buteurs, je vous le rappelle, Mepiou, Menadjou et Issoufou. Le monégasque Ben Seguir qui réussit effectivement une très très belle saison sous les couleurs de l'ASM. Donc n'est pas également dans cette sélection. Il y a un véritable réservoir de joueurs en France. C'est vraiment une chance. Mais Ben Seguir pour le moment n'a pas été appelé par Jean-Luc Vanucci. Qui sait, ce sera peut-être le cas dans l'avenir. Menadjou qui relance pour les Bleuets. Sangui toujours aussi imprenable. Allez, ballon récupéré par les Albanais qui tentent de se projeter à leur tour. Même si là, ils sont bien encerclés et bien pris par les joueurs français. Il y aura d'ailleurs une intervention de M. Dickinson. Mepiou Menadjou qui relance avec Kayi Sanda. Allez, un centre à venir dans la surface de réparation. Ballon dégagé par la défense albanaise. Ça arrive jusque dans les pieds de Mepiou Menadjou. Et maintenant de Ferro. Qui oriente à droite, il y a de l'espace. Il est passé une première fois, une deuxième fois. Il est sur son bon pied, la frappe. Et ça passe juste à côté. C'était vraiment très bien fait. Très bien fait de la part de Gomis, qui avait réussi à éliminer trois joueurs avant d'adresser ce tir. Qui échoue d'un rien à côté. Le gardien était battu, il était pris à contre-pied. Occasion très chaude pour... les joueurs de Jean-Luc Vanucci. Allez, qui continue avec Bouabré. Lambourde, Bouabré dans la surface. Il a été touché et c'est un pénalty. Pénalty et carton jaune en prime pour Bakiou. Voilà l'opportunité pour les Français de se détacher encore un peu plus au score. Et il a été effectivement accroché dans la surface de réparation. Bouabré, faute logique et pénalty à suivre donc pour l'équipe de France qui va s'y coller. On va voir ça. C'est Ismaël Bouneb, le joueur de Valenciennes, qui se présente face à Dervichy. Bouneb pour tirer ce pénalty et ça rentre sans problème. 3-0 pour l'équipe de France. Qui se détache donc un petit peu plus encore au tableau d'affichage. Et il a pris à contre-pied le gardien Bouneb. Un pénalty frappé en toute tranquillité. L'équipe de France qui se dirige vers une fin de rencontre tout à fait tranquille. Il reste encore un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
et pourquoi pas continuer d'alourdir encore la marque. Le goal average, ça peut être un élément important à prendre en compte à la fin. Donc, ne pas s'en priver surtout. Allez, attention à cette mauvaise relance albanaise qui peut profiter aux joueurs de Jean-Luc Vanucci. Et ce tir qui passe d'Arien à côté. Encore une fois, Bouabré. Il a fait une belle entrée dans cette seconde période. Il avait peut-être à ses côtés Amougou, mais difficile de le voir. Il était dans son dos. Allez, au gardien de sortir peut-être. Il faut se parler en tout cas. Et Yvan Titi qui peut relancer l'équipe de France. Même si ce ballon finalement arrive dans les pieds albanais. Ferro qui joue côté droit avec Titi. Les latéraux, hein, que ce soit Titi ou Sangui, ont apporté beaucoup dans cette partie. Ils ont parfaitement joué leur rôle en venant apporter le surnombre et en distillant certains bons centres. Il a essayé de prendre de vitesse son vis-à-vis Gomis, il n'est pas passé. Il va malgré tout obtenir la touche. Et il préfère laisser le soin à Yvan Titi de jouer cette remise en jeu. Gomis. Alors qu'il va y avoir un quatrième changement côté français. Avec l'entrée en jeu de Silla. Le joueur du Racing Club de Lens qui effectue donc son entrée en jeu à la place de Nolan Ferro. Et puis de l'autre côté... Nouveau changement côté albanais. C'est une véritable revue d'effectifs avec l'entrée en jeu de Douro. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été avertis côté albanais. Et donc du côté d'Ervin Boulbou, on essaie de limiter la casse plus exactement. Parce que si cette équipe venait à être réduite à 10, ce serait encore un petit peu plus compliqué. Il y a déjà 3 buts d'écart à remonter. Ça va être... C'est pratiquement mission impossible hein, déjà, vu le peu de temps qui reste. L'équipe de France a fait un grand pas vers la victoire grâce aux 3 buts, 2 inscrits en première période. Le troisième, il y a quelques instants sur pénalty par Bouneb. Le capitaine Kaïs Sanda qui relance cette équipe tricolore avec Mpiu Menadjou. Allez, un bel appel de balle d'Amougou. Dommage finalement, il a été devancé. Ce ballon file en 6 mètres. Je vous rappelle le programme de cette journée, cette belle journée. Avec donc cette première rencontre que vous suivez avec nous depuis 11h30. Et pour le moment, cette victoire qui semble se dessiner pour les U17 face à l'Albanie, pays hôte de ce tour élite. Il y aura également encore 2 autres rencontres à suivre aujourd'hui sur FFF TV. Une deuxième à 16h pour nos U20 qui préparent leur Coupe du Monde en Indonésie en mai prochain. Première rencontre face aux États-Unis. Ils défieront ensuite les Pays-Bas samedi et puis l'Angleterre mardi. Et puis la troisième rencontre de la journée, elle sera à suivre à 18h. Rencontre des U19 cette fois-ci. Rencontre comptant pour le Tour Élite. Attention quand même à ce débordement, cette situation qui semblait assez chaude pour les joueurs de Jean-Luc Vanucci. C'est peut-être pas terminé avec Amougou qui tente sa chance. Ce ballon qui s'est envolé au-dessus de la barre transversale. Dommage pour le Stéphanois. Troisième rencontre à suivre, je vous le disais, à 18h, rencontre des U19, comptant pour le Tour Élite du Championnat d'Europe, là aussi, ce sera France-Irlande,
Et les U19, ils auront également deux autres parties à suivre. La première samedi face à la Norvège et la dernière face à la Roumanie mardi. Bref, beaucoup de matchs en ce moment durant cette trêve internationale sur FFF TV. Les Bleus qui se dirigent vers une victoire tranquille. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions en première période, un petit peu moins en seconde. Mais ils mènent cette rencontre à la fois au tableau d'affichage et sur le terrain. Ils ne sont pas mis en danger. Ils mettent le pied sur le ballon. Ils prennent le temps de construire leurs occasions, leurs actions. Le prochain adversaire, rappelons-le, ce sera la Lettonie et ce sera samedi à 11h30. Un adversaire que les Français ne connaissent pas véritablement non plus puisqu'ils ne les ont pour l'heure pas encore affrontés dans cette catégorie d'âge. Attention à ce ballon fuyant devant le but de Derviši. Aucun joueur français n'était là malheureusement pour pousser cette balle au fond. La Lettonie, adversaire sur le papier à la portée de cette équipe de France aussi. Et ce parcours dans ce tour élite, il se conclura mardi par la Suisse. Une équipe qui est effectivement là pour le coup un petit peu plus chevronnée. Donc cette équipe de France, elle a tout intérêt à prendre des points tout de suite. À essayer d'engranger un maximum de points pour aborder cette troisième rencontre dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions. Et pourquoi pas déjà de s'assurer la qualification ou presque avant même de disputer cette troisième rencontre. Lambourde est effectivement entré en jeu, hein, vous posez la question sur YouTube, notamment. Il est entré en jeu et pour le moment, il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Mais on le sait, c'est un joueur qui peut être très très rapidement décisif. Il a été à plusieurs reprises déjà par le passé, notamment lors du tour qualificatif. Il avait inscrit 4 buts. Et on aura plaisir à la retrouver lors des demi-finales de la Gambardella avec le Stade Rennais. Mathis Lambourde, attention, Abou Abré encore une fois qui a réussi à faire la différence et à se frayer un chemin dans cette surface de réparation. Il a été contré au dernier moment. Alors que Jean-Luc Vanucci procède à un nouveau changement avec l'entrée en jeu de Gadou. Il me semble que c'est l'un des buteurs de cette partie, Mepiou Menadjou, qui est sorti. Corner joué à la Rémoise. Avec ce centre de Bouabré, il a été contré. Il parvient malgré tout à conserver ce ballon. C'est bien, ça permet cette rencontre à Jean-Luc Vanucci de tester ces différents joueurs. Chacun se sent concerné. Bouabré avec Amougou. Les Albanais qui peinent à récupérer ce ballon face à des Français qui, à l'inverse, le font bien circuler et sont très mobiles. Allez, un centre de Silas, ça va passer devant le but une nouvelle fois, le ballon qui n'est pas sorti. Bouabré qui tente une virgule face à son vis-à-vis, c'était bien joué. Mais il obtiendra malgré tout la touche, la remise en jeu qui sera effectuée par Sangui. Tous les joueurs albanais sont dans leur surface de réparation. Ils semblent marquer le pas un petit peu
accuser le coup physiquement. C'est vrai qu'il court beaucoup après ce ballon. Allez, une tentative lointaine. Ballon qui a été dévié involontairement par un joueur français, Amougou, qui a réussi un petit pont ici et il était passé. Il obtient un coup franc, il a été accroché au passage. Beaucoup d'aisance technique pour le joueur de l'AS Saint-Étienne. On voit bien, c'est très clair sur cette image, les joueurs albanais qui sont dans leurs 40 derniers mètres et qui attendent que ça se passe, même si là ils vont obtenir un coup de pied arrêté grâce à cette sortie de Spouza. On va rentrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. L'équipe de France qui, je vous le rappelle, d'ailleurs vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran, mène toujours 3-0. 2 buts en première période signés Mepiou Menadjou et Issoufou. Un troisième, peu après l'heure de jeu signée Bouneb sur pénalty. L'équipe de France qui se dirige vers une première victoire dans ce tour élite. Une 9e en cette saison 2022-2023 en 10 matchs, c'est plutôt pas mal. Il faudra encore confirmer évidemment. Déjà bien finir ces 10 dernières minutes et puis ensuite confirmer face à la Lettonie samedi. Un adversaire encore une fois à la portée de cette équipe de Jean-Luc Vannucci. Allez, une opportunité là avec Matisse Lambourde qui tente sa chance et c'est capté en deux temps par Dervichy. Voilà une belle opportunité pour le joueur du Stade Rennais. On le revoit, la puissance à la fois balle au pied et puis dans cette frappe de Matisse Lambourde. Capté en deux temps donc par Dervichy, s'est bien couché sur son ballon. Il faudra attendre encore un petit peu pour Mathis Lambourde pour inscrire son premier but dans ce tour élite. Mais non, on ne doute pas que ça va arriver et que ça arrivera, on l'espère, le plus rapidement possible pour lui. C'est vraiment l'un des joueurs porte-bonheur de cette sélection. 7 matchs pour lui avant cette rencontre et 6 buts. Rien que ça, alors qu'il n'avait été titulaire qu'à 2 reprises. C'est un joueur à la fois explosif et doté d'une grande qualité de passe. Un joueur à suivre. Et on le sait évidemment, du côté du Stade Rennais, il y a beaucoup de bons jeunes. Attention encore ici à Matisse Lambourde. Contré, cette fois-ci, il obtient un corner. Il avait réussi à éliminer encore une fois son vis-à-vis et à s'offrir une opportunité. Mais c'est bien, il a faim, ça se sent. Même si le score est déjà acquis, lui veut marquer, lui veut participer à cette victoire. Les Français qui ont confisqué le ballon depuis plusieurs minutes maintenant. Et les Albanais frustrés qui sont obligés de commettre des fautes. Gadou avec son capitaine Kaya Sanda. Amougou qui parvient à garder le ballon pour les Bleuets. Ah dommage, il n'a pas réussi à avoir le compte favorable, il s'en est fallu de peu, Bouabré. Mais on reste dans les 40 mètres albanais. Silla. Amougou. Bouabré qui tente de centrer, ballon dévié. Amougou qui se bat pour conserver ce ballon. Et l'intervention de M. Dickinson.
Amougou qui fait très mal à cette équipe albanaise. Ils n'ont pas véritablement réussi à le prendre depuis le début de cette partie, les défenseurs albanais. Alors qu'on est dans les 7 dernières minutes du temps réglementaire, il y aura vraisemblablement encore un petit peu de temps additionnel, évidemment, avec les nombreux remplacements qui ont été faits. Mais pour le moment, on voit mal comment cette équipe albanaise pourrait ne serait-ce que réduire la marque. Allez, le bon travail dans la surface de réparation. Un peu de temps pour centrer. La tête et le quatrième but. Le voilà enfin, le but de Mathis Lambourde. Il a été le chercher. Il s'était procuré deux occasions avant cela. Une première cadrée, une deuxième contrée. La troisième est la bonne pour le joueur du Stade Rennais. L'équipe de France qui se détache définitivement, certainement, dans cette partie 4 à 0. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Et Mathis Lambourde, je vous le disais, qui est très efficace. Il est rentré il y a une dizaine de minutes. Et il vient inscrire encore une fois un but sous ce maillot tricolore. C'est son 7e avec les U17. En 8 matchs, s'il vous plaît, messieurs, dames. Sacrée performance pour ce joueur du Stade Rennais. 4 à 0 pour l'équipe de France. Vraiment une belle entrée en matière dans ce tour élite. On n'en attendait pas moins de cette équipe. Et malgré les changements opérés par Jean-Luc Vanucci, on voit que l'équipe n'a pas baissé de pied et qu'elle continue d'insister, d'essayer de corser encore un peu plus l'addition, si c'est possible, essayer de soigner le goal average. C'est la mission que cette équipe semble s'être donnée. Bouabré qui avait un appel de balle sur le côté gauche alors que finalement il a préféré aller chercher Lambourde dans la surface. Pourquoi pas un doublé pour le joueur du Stade Rennais après tout. Alors que vous me demandez sur YouTube qui est ce numéro 11, il s'agit de Bouabré. C'est un joueur qui évolue du côté de l'AS Monaco. Il a effectivement fait une très belle entrée lui aussi. Très virevoltant sur son côté gauche. Il aurait pu participer également à la fête, inscrire un but en début de seconde période. Il s'est procuré deux situations. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Qui sait, peut-être qu'il aura encore l'occasion de le faire. Il reste encore un petit peu de temps. Bouabré, le voici. Avec Amougou, ces deux-là s'entendent très bien. Lambourde, lui aussi, participe à cette action. Et finalement, c'est Silla qui vient tenter sa chance. Et le ballon qui s'envole dans les nuages de ce stade de Tirana. L'équipe de France qui se met dans les meilleures dispositions, vraiment, avant d'aborder la deuxième rencontre de ce tour élite face à la Lettonie. Rencontre qui se jouera samedi à 11h30. Notez bien dans vos agendas. Elle sera à suivre sur FFF TV. Le petit pont réussi par Silla. Silla qui a une occasion de servir son partenaire à ses côtés. Il a préféré tenter sa chance. Lui aussi aimerait bien marquer. Vous me direz, c'est de bonne guerre. Il a cadré sa frappe, mais ça a été sans danger pour Dervici. Allez, le coup de sifflet de Monsieur Dickinson. Amougou qui veut jouer rapidement, mais il va finalement prendre le temps et jouer derrière lui avec Gadou.
On va essayer d'aller chercher côté gauche maintenant. Bouabré justement, le joueur de l'ASM. Avec Amougou. Ferro qui joue côté droit maintenant pour Silla. Titi qui va peut-être tenter d'aller trouver une position de centre. Il a été repris. Ce sera un coup de pied de coin. Des dernières secondes du temps réglementaire de cette partie, l'équipe de France qui mène très largement au score. 4-0, qui a confisqué la balle depuis 15 bonnes minutes maintenant. L'Albanie qui semble avoir abdiqué dans cette partie. Alors que c'est Bouabré qui va aller frapper ce corner. Corner sortant, joué à deux finalement. Et centre renvoyé par la défense albanaise. Ça reste dans les pieds de Ferro. Qui va retrouver Bouabré. Bouabré qui va tenter de placer un coup de rein. Et le centre au second poteau. Finalement pour une tête française. Sans danger pour Dervichy. Tête un petit peu écrasée. Il semblerait qu'on en reste là. Même s'il va y avoir donc un petit peu de temps additionnel. Dans cette partie, l'équipe de France, voilà, 2 minutes de temps additionnel, l'équipe de France qui va remporter, je crois qu'on peut le dire maintenant, hein, une victoire large et sans bavure, une victoire qui va donner encore un petit peu plus de confiance à cette équipe et lui permettre de préparer tranquillement sa deuxième rencontre du Tour Elite et cette partie face à la Lettonie samedi. Allez, la tentative de percée de Silla qui s'appuie sur un partenaire. Gadou. Le numéro 10, vous me demandez sur YouTube de qui il s'agit. C'est Mathis Amougou, le joueur de l'AS Saint-Etienne. Un milieu de terrain qui a offert une très belle copie aujourd'hui. Très propre dans ses passes. Beaucoup de clairvoyance dans son jeu. Silla qui tente des passements de jambes face à 3 défenseurs albanais. On a tenté de le retrouver mais ce ballon lui a échappé, dommage. Renvoie au 6 mètres pour le gardien Dervichy. Il aura eu une partie compliquée, hein, comme tous ses coéquipiers d'ailleurs. L'Albanie qui ne s'est pratiquement pas procuré de situation au final, hein, que ce soit en première période ou en seconde. Romain Jean-Baptiste n'a rien eu à faire, on peut le dire. Il y a eu seulement une frappe en seconde période, une frappe qui est passée nettement à côté. Et voilà le coup de sifflet final de David Dickinson pour signifier tout simplement la fin de cette partie est surtout la victoire très large de l'équipe de France et des joueurs de Jean-Luc Vanucci qui ont dominé cette partie nettement dans le jeu et donc au tableau d'affichage également. Victoire 4-0 avec des buts et 4 buteurs différents donc. Des buts de Mepiou, Menadjou, Dissoufou, Bouneb et Lambourde. Une victoire qui va gonfler encore un petit peu plus la confiance de cette équipe. C'est bon pour le moral. Cette équipe de France qui s'apprête à disputer désormais 2 autres rencontres dans ce Tour Elite qualificatif pour l'Euro 2023. Une première qui se jouera samedi face à la Lettonie. Vous pourrez la suivre sur FFF TV, coup d'envoi à 11h30 également. Et puis une troisième partie, la troisième et dernière, face à la Suisse. Ce sera cette fois-ci mardi à 17h. Voilà, j'espère que tout comme moi, vous avez passé un excellent moment avec cette victoire, cette très très belle victoire de l'équipe de France. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à rester avec nous puisqu'il y aura un très riche programme aujourd'hui. 2 autres rencontres sont à suivre, celle des U20 pour commencer à 16h. Les U20 qui sont opposés
aux États-Unis pour préparer leur Coupe du Monde en Indonésie, et puis également une autre rencontre, une troisième à 18h pour les U19 de Lionel Rouxel qui sera opposé à l'Irlande. Merci à tous d'avoir assisté à cette partie avec nous, et je vous dis à très vite sur FFF TV. Très bonne journée, bye bye.